Coucou. Eh bien salut tout le monde, c'est Iguette. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de sapin de Noël. Oh, c'est nul comme nom. Donc oui, nous sommes toujours sur mon petit sapin de Noël. Il reste plus que... Attendez. Une semaine avant Noël? À peu près, hein, et deux, 3, 4 jours, un truc comme ça, vu que ça se passe un dimanche et que cette vidéo sort un mercredi, donc il reste une semaine entière, plus 3, 4 jours. C'est bientôt, ça approche, et c'est pour ça que j'aimerais finir mon sapin un moment avant Noël, ça serait bien, parce que j'ai dit mon Père Noël, il va pas passer, hein, s'il voit pas de sapin, il va dire, oh, bah non. Alors le chat va être embêtant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va s'occuper des guirlandes. Donc, alors, j'ai choisi des couleurs très spéciales, vous allez vite voir en fait. Donc voilà, donc ce sont des couleurs, je sais pas si vous verrez bien, vous allez dire peut-être que de votre point de vue ça va être noir, peut-être violet, ou noir foncé, ou... Merci. Oh là là, noir foncé, bah bien sûr, bah, bien sûr, c'est toujours plus... Oui. Elle est assez épaisse, assez étoffée, je crois qu'elle m'a coûté 3 €, je crois, un truc comme ça. Bon, elle est pas très grande, mais bon, ça pas non plus, donc comme ça c'est très bien. Donc c'est une couleur assez... bleu nuit, bleu ébène. Ébène. Donc alors pareil, je pense que je vais rester sur le même pattern de décoration, c'est-à-dire qu'on va la glisser genre hop comme ça à un endroit. Y a pas des petits embouts d'ailleurs pour le détacher? Non. Non? Non. Donc on la glisse à un endroit et puis on va simplement faire le tour. Parfait, ça s'arrête pile poil, non, je vous montrerai à la fin, hein. Pile poil à la jonction avec l'autre qui servira pour décorer le haut principalement. Là m'a coûté un peu moins cher, je crois que c'était 2 €, 1,80 € et des brouettes. 1,80 € et des brouettes à peu près. Donc voilà, donc si elle est un peu plus fine, je sais pas si je peux vous montrer la matière, je vous la montrerai après peut-être en plus gros plan. Et donc on reprend là où on s'est arrêté, c'est-à-dire ici. Mais c'est très bien parce que ça va extrêmement bien se mettre avec donc, les boules qui arriveront la semaine prochaine, genre c'est-à-dire 2-3 jours avant Noël, on est content, hein. Tout va bien. Et voilà, quoi, du coup c'est plutôt bien, j'ai fait une espèce de spirale. Ça, ça bouge pas. Voilà, ça c'est pas mal. Moi je trouve c'est pas mal, non? Il est beau mon petit sapin. Oui. Donc en gros, pour le tout, j'en ai eu pour 37 €, je crois, pour le tout de sapin. Ce qui est, on va dire, dans le délire, plutôt raisonnable. Moi, il y a plein de bordel sur ma table, c'est normal. Je vais nettoyer tout ça à la fin. Oh, Roméo, où es-tu, Roméo? Non mais tu fais quoi là? Ça va pas bien dans ta tête ou quoi? Descends de cette chaise, tu vas tomber, espèce d'abruti. Oh, mais t'étais là! Pardon, je t'avais pas vu. Je descends. Ouais. Ah oui, je suis là, tu veux que je sois où? J'étais à côté quoi, enfin comme d'habitude quoi. Et puis, Enfin, on se retrouve après tant d'années. Un gros plan sur la couleur de la
la guirlande. Alors oui, vous voyez peut-être pas trop de différence par rapport à ça. Ils appellent ça bleu foncé, c'est une espèce de bleu nuit ébène. La deuxième étape de mon sapin est plus ou moins finie. Je pourrais rajouter d'autres guirlandes, évidemment. On a plein de guirlandes qui existent maintenant. Des espèces de petites perles qui sont alignées une à une sur de grandes longueurs qu'on peut rajouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de des petits fils, des cotons et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Bon, leur prix est assez élevé, généralement, donc j'ai évité. Moi, j'ai voulu rester simple, mais original dans la couleur. Voilà, j'ai vraiment voulu une couleur originale parce que j'en ai marre d'avoir des sapins soit bleu doré, soit bleu argenté. J'avais jamais vu une couleur comme ça. Je me dis, mais comment ça va faire dans un sapin, dans une couleur comme ça? Comment ça va faire une couleur comme ça dans un sapin, plutôt, si on met pas une phrase dans le bon sens, ça va pas le faire? Et ben en fait, c'est assez marrant. Voilà. Voilà. Donc la troisième vidéo, la prochaine et dernière, ça sera donc mercredi prochain, c'est-à-dire le 24, 23, 22, 21 décembre, je crois. Ouais, je pense que c'est dimanche 25 décembre, il me semble dire. Et on mettra donc les derniers ajustements, c'est-à-dire les boules et l'étoile tout en haut, voilà. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir encore regardé cette vidéo spéciale Noël. J'espère que ça vous fait rire, ça vous fait plaisir, on passe du bon temps, on s'en fout, on est vraiment là pour s'amuser comme on peut. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Ah, c'est beau l'amour, n'est-ce pas, ma Juliette? Retrouvée pour Noël. Noël est une fête si magnifique. Elle nous réunit tous ensemble. T'as tellement raison. C'est tellement bien. C'est merveilleux. Hein? C'est tellement une belle fête. Oh, j'adore, j'adore. Oh, le beau sapin.